Donc, Edo, dit oncle, t'as fait. Je vous salue encore. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Et je suis content vraiment pour votre disponibilité. Vous avez laissé vos différentes occupations pour nous accueillir. Si nous sommes venus ici aujourd'hui, c'est pour un grand événement. Parce que quand Dieu a créé l'univers, il a créé l'homme. Et il a vu l'homme seul dans le jardin. Il s'appelle Adam. Il a vu qu'il lui manque quelqu'un. Il voit qu'il lui manque un compagnon qui peut l'aider, qui peut communiquer avec lui, qui peut échanger avec lui. Et c'est pour ça que il a décidé de lui donner une aide semblable. Et c'est dans cette idée qu'il a fait dormir l'homme. Et il a tiré l'une de ses côtes pour créer la femme. Et il a amené à Adam. Et ce que Dieu a fait avant de créer, d'amener Ève
Il a pris une côte d'Adam. Parce qu'en ce moment, Adam n'avait encore rien pour payer la dot. Comme l'homme doit donner quelque chose avant de prendre une femme, Dieu a pris la dot d'Adam par sa côte. Donc la dot c'est une institution divine. Donc, aujourd'hui, le Seigneur nous a amené dans cette grande famille. Et nous avons vu la joie qui vous anime. La joie, ça nous remplit aussi. Et nous sommes venus pour demander la main de Ève pour Adam. La main de Marie Magdala pour notre fils Phanuel. Et nous avons demandé si vous pouvez nous accorder. Et vous avez présenté et notre soeur, et elle a accepté. Elle a accepté de nous accueillir aussi. Et parmi les cadeaux qu'on a amenés, elle a choisi un cadeau spécial. Et ce cadeau, c'est la parole de Dieu. Et nous prions que toute la bénédiction qui est contenue dans cette parole se répand sur la vie de chacun de vous. Que cette parole vous visite aussi. Que cette parole agit dans votre vie. Que cette parole fasse de grandes choses dans la famille. Je vous le dis en vérité, votre fille qui est devenue notre sœur, elle n'a pas choisi un mauvais chemin. Elle a choisi le chemin de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la vie. Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. Amen. Amen. Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. Et par cette lumière, quiconque vient à cette lumière ne marche pas dans les ténèbres, mais il vit dans la lumière. Et nous vous invitons aussi à venir à cette lumière pour adorer ce Jésus avec nous. Pour que nous puissions marcher ensemble pour le royaume des cieux. Et notre mission, c'est de prêcher le royaume des cieux. Ce que nous faisons, c'est ce que Jésus nous a demandé. Pour que nous puissions agrandir son royaume. Parce que effectivement, la fin de toutes choses est proche. Et c'est dans cette mission que le groupe que nous conduisons est nommé Jésus revient. Donc votre fille veut se marier dans Jésus revient, dans la famille Jésus revient. Jésus! Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, je veux te bénir. Je veux te magnifier, je veux t'exalter. Nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous as accordée, de nous amener ici. Seigneur, lorsque Abraham voulait prendre une femme pour son fils Isaac, il a envoyé son serviteur avec un des présents avec d'or. Il est parti sous ta bénédiction
et il a réussi à sa mission. Il a trouvé Rebecca et il a payé la dot. La famille a bien reçu la dot. Aujourd'hui, nous sommes venus pour ta fille Rebecca. Vous demandez sa main auprès de sa famille avec ses présents. Et la famille nous a bien accueillis. Et ils ont accepté la dot. Papa, nous voulons te dire merci. Et nous voulons te bénir pour la vie de chacun d'eux. Seigneur, nous te consacrons tous ces dots, tous ces présents, nous te les consacrons. Seigneur, tout ce qui est ici soit couvert par ton sang. Seigneur Jésus, que ce soit ce qui revient à la famille, que ce soit ce qui revient à la fille, Seigneur, nous te prions de bénir tout, de sanctifier tout, que ton Esprit Saint agit sur chaque présent. Grand Dieu, grand roi, tous ceux qui vont recevoir chacun sa part, Seigneur, je te prie de les bénir. Amen. Que ta main soit sur leur vie. Seigneur, chacun d'eux a prononcé des paroles de bénédiction, des prières de bénédiction. Papa, je te prie d'accueillir favorablement et de convertir toutes ces prières en grâce. Grand Dieu, grand roi, Seigneur, derrière cette dot, nous proclamons que de la paix descend dans cette maison. Amen. Qu'il y ait de bonnes nouvelles dans cette maison. Amen. Seigneur, épargne à cette famille toute maladie, Amen. Toute mort précoce, Amen. Tout accident. Amen. Seigneur Jésus, qu'il n'y ait que de bonnes nouvelles dans cette maison. Amen. Qu'il n'y ait que de bonnes nouvelles dans cette maison. Amen. Qu'il n'y ait que de bonnes nouvelles dans cette maison. Amen. Seigneur, tu connais les besoins de chacun d'eux. Papa, je te prie de les bénir. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Avec ma demoiselle Koujako Akorsi Charmance. Une liste de pédagogues a été remise aux mariés et les deux ont produit des pièces
déposer le dossier, après l'étude du dossier, un avis favorable a été accordé au dossier. Pendant le verre, on voit le dossier qui n'est pas le couple. Merci beaucoup. Merci, ici, avec chers futurs époux, chers témoins, chers parents et amis, bonjour et soyez les bienvenus. Merci. J'espère que nous nous portons tous bien. Merci. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir ce matin et de pouvoir officier cette cérémonie. Et je profite de l'occasion pour souhaiter futurs époux toutes mes félicitations, beaucoup de courage, beaucoup de bonheur, et que surtout ce jour reste l'un des plus beaux jours de notre vie. Et donc, c'est vrai que c'est sous contrôle. C'est pas la fin de vie. Merci. Chers futurs époux, nous sommes là ce matin, n'est-ce pas, pour pouvoir célébrer votre union. Donc, nous allons parler un peu de ce que c'est que le mariage. Alors, qu'est-ce que le mariage? Le mariage, loin d'être une simple formalité administrative, c'est un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et même la dissolution sont régis par le code civil. Donc, c'est un engagement très sérieux, mais libre. Est-ce qu'on nous a forcé? Les témoins nous ont forcé à être ici ce matin. Donc, c'est libre le mariage. Merci. Je dirais simplement que c'est une étape très importante dans la vie. C'est vrai, cette union scellée, outre la charge émotionnelle et symbolique qu'elle représente, elle vous confère des droits et des devoirs que nul n'est censé ignorer. Et donc, en République du Bénin aujourd'hui, nous avons trois formes de mariage. Le mariage à l'état coutumier que nous appelons également la dot, le mariage à l'état civil et donc l'instant présent, et le mariage sacramental. Mais avant d'aller plus loin, je vais pousser ma curiosité, comme j'en ai d'ailleurs l'habitude, et demander à mademoiselle Charmance si monsieur Joachim a célébré le mariage à l'état coutumier. Un bravo, monsieur. Elle a répondu oui, ça a été célébré. Et donc, je voudrais vous dire à vous que dans un cas comme dans l'autre, un seul fait caractérise toutes ces formes de mariage. C'est la volonté des époux de se mettre désormais ensemble et de former une communauté de vie. C'est le plus important. Cette nouvelle vie en communauté qui commence, chers futurs époux, ne reste pas sans moment d'épreuve. Je voudrais donc vous inviter ce matin au sens du discernement, à l'amour permanent, à une culture permanente de dialogue. C'est très important. La culture permanente de dialogue. Ainsi qu'à une implication personnelle de chacun de vous, qui sont en réalité des qualités qu'il faut développer pour un aboutissement heureux du mariage. Malgré tout ça, il y a le législateur qui a pu devoir codifier un certain nombre de comportements obligatoires pour les époux et qui paraissent de nos jours comme des règles essentielles qui renforcent les liens du mariage. Lesquelles règles peuvent devenir fragiles et précaires par de tissu. Et c'est pourquoi il est obligatoirement nécessaire de vous faire la lecture des textes officiels contenus dans le code des personnes et de la famille en République du Bénin.
Il s'agira des articles 153, 154, 155 et 159 qui vont vous expliquer vos droits et devoirs en tant que vous. Est-ce que je peux continuer? Merci. Je vous invite à l'observance rigoureuse de cette disposition que voici. Article 154, il dit que les époux s'obligent à une communauté de vie. Ils se doivent respect, secours et assistance. Et en réalité, le droit de communauté de vie regroupe deux obligations. Sans oublier que les devoirs que je viens de citer sont vraiment réciproques. Le devoir de respect, de secours et d'assistance sont des devoirs réciproques l'un envers l'autre. Et donc je disais, au niveau de la communauté de vie, nous avons deux obligations. Le devoir de cohabitation charnelle, que nous appelons également le devoir conjugal, dans lequel les époux s'engagent en réalité à avoir des relations charnelles librement consenties. Je dis bien librement consenties. Cela sous-entend pendant que moment il doit y avoir plusieurs de conjugal. Nous avons la cohabitation elle-même, là qui se traduit par la nécessité d'une résidence commune. Et donc, forcément, le couple doit vivre sous le même toit. Aussi, j'ai parlé du devoir de respect mutuel. Et là, je dis, si dans la vie courante, le respect est la chose, non, c'est que forcément, au sein du foyer, il fait régner la paix, la joie, le bonheur, l'amour, et que sais-je encore. Et donc, nous devons éviter toute forme de violence, qu'elle soit conjugale ou familiale, et lesquelles sont reconnues comme cause de divorce par le pouvoir. Le respect mutuel, c'est également l'acceptation de son conjoint. C'est également le respect de son intégrité. Nous sommes d'accord. Et pour finir, j'ai également parlé des devoirs de secours et d'assistance qui se traduisent ici par la solidarité entre les époux, l'aide morale, matérielle, financière dans les moments difficiles. Ainsi, bien sûr, qu'un apport de soins personnels en cas de maladie par l'un des époux. Nous tombons sur l'article 154. Qui dit exactement ceci, que les époux se doivent mutuellement fidélité. Cela signifie que les époux doivent rester bien sûr fidèles l'un envers l'autre, n'est-ce pas? Nous ne devons donc pas entretenir des relations extra-conjugales. Et ce devoir de fidélité est violé sous deux formes. Nous avons l'infidélité physique qui n'est rien d'autre que l'adultère et l'infidélité morale. Surtout cette forme d'infidélité est souvent ignorée. L'infidélité morale qui retient tous les actes préliminaires de tentative d'adultère. Quand je dis actes préliminaires, je veux peut-être citer les sorties fréquentes, les échanges de correspondance, les relations équivoques, bref, tout acte qui peut reconduire des épouses. Nous avons l'article 155, quant à lui, qui stipule que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Cela veut simplement dire que les époux exercent conjointement l'autorité parentale et assument les tâches qui découlent tant de la direction de la famille que de l'exercice de l'autorité parentale. C'est donc une mission commune aux époux où les décisions relatives à la vie de la famille
doivent être forcément pris ensemble. De même, les problèmes, les difficultés doivent être résolus ensemble. Il s'agit également pour vous, dans un respect mutuel et ensemble, de préserver les enfants, de veiller à protéger leur santé, d'assurer leur éducation et de préparer leur avenir. Et enfin, l'article 159 dit que, nonobstant toute convention contraire, les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s'acquitte de sa contribution par les prélèvements, par prélèvement du moins sur les ressources dont il a l'administration. Pour expliquer un peu ce passage, je dirais que dans l'organisation de leur vie, les époux contribuent à l'entretien du ménage, à l'éducation des enfants selon leurs possibilités. Et que les charges du ménage doivent être forcément supportées par les biens communs. De même, le produit du travail des époux et tout ce qu'ils mettent ensemble sont affectés en première ligne à la subsistance de la famille. Quand je dis subsistance de la famille, je veux parler des époux et des en un mot, chers futurs époux, je dirais que la contribution aux charges du mariage est un peu comme une obligation financière qui pèse sur chacun des époux durant la période du mariage. Alors, tout manquement, je dis bien, tout manquement à l'un de ces tests constitue une faute. Que cette présentation officielle que vous venez d'entendre soit pour vous le centre de réflexion sur lequel doit se fonder désormais votre vie harmonieuse et commune. Je vous remercie. Merci. J'espère que vous avez suivi avec attention le contenu des thèses officielles. Mais avant d'aller plus loin dans notre célébration, je veux juste m'assurer, chers petits époux, que nous pouvons continuer en toute sérénité. Parce qu'il se pourrait qu'à la lecture des tests, vous ayez changé d'avis, c'est fort possible. Et donc, c'est juste pour m'assurer que nous pouvons poursuivre notre cérémonie. Monsieur Joachim Fatou, à la lecture des tests officiels, contenu dans le code des personnes et de la famille en République du Bénin, consentez-vous à prendre pour épouse de mademoiselle Claudia Charmance? Oui, madame. Vous l'avez entendu? Oui. Donc, monsieur Claudia vient de marquer, monsieur Joachim, du moins, vient de marquer son accord. Et je vais me tourner à nouveau vers mademoiselle Claudia. À la lecture des thèses officielles, contenues dans le code des personnes et de la famille en République du Bénin, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Joachim Fabien. Oui, madame le maire. Merci. Le ils sont consentants. C'est tellement engagé, hein, c'est la volonté de part de l'autre. Nous allons, si vous nous permettez, nous allons inviter les pouvoirs à se lever. Que ton aide, l'aimer de la chérir, devient fidèle selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ et selon ce que sa parole nous demande. Que l'homme doit être fidèle envers la femme et la femme également fidèle envers son homme. Seigneur, chers parents, chers serviteurs de Dieu et servantes de Dieu, je veux bénir le Seigneur Jésus pour ce jour glorieux qu'il nous a accordé d'être en ce lieu devant l'état civil pour que je puisse te dire comment je t'aime.
Je veux te dire que je t'aime et que je suis prête à m'engager avec toi, te supporter, t'être soumise, fidèle, jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Et donc, au nom de la loi, et en ma qualité d'officier d'état civil, je vous déclare unis par le mariage. Merci. Et si vous nous donnez l'accord, nous allons inviter maintenant les époux, désormais les époux, à poser le signature sur les documents. Et donc, nous sommes à la phase de la signature des documents. Je voudrais inviter monsieur Kouma Sego Severin. Bien vouloir se lever et à prendre la parole. Merci. Et je bénis le Seigneur pour ce jour. Madame Mère, je crois que ce que nous faisons, c'est sous le contrôle de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Et il m'a des conseils à donner, vous savez. Et j'ai aussi besoin de conseils. De mon conseiller à moi, je voudrais les conduire vers ce conseiller, qui est en réalité la vraie bague, qui est au-dessus de toute bague. Et c'est ça que je veux entendre. C'est votre bac. Il y a un passage que vous devez lire tout le temps. C'est donc Jean 14, 23. Et si vous m'obéissez, je viendrai faire de votre maison ma demeure. Votre maison fait la demeure de Jésus. Il n'y a pas d'inquiétude. Ce que vous avez dit là, il sait ça. Alors, c'est ça. Et c'est pas ça. Amen. Donc, je vous livre à mon conseiller. Merci à M. Sévérin. C'est fort. Toute volonté vient du Seigneur. Et je pense que ce matin, il vient de donner à ses filleuls une brevière dans laquelle ils toucheront chaque jour. Merci à vous. Merci. J'invite à présent Madame Rouge-Marie à prendre également la parole. Bonjour. Bonjour, Madame. Ce que je vais improviser, je vais mettre le pas dans le pas de papa en disant que c'est vraiment le bon conseiller qu'on lui a déjà donné. C'est vraiment déjà fait le bon conseiller qu'on les a déjà orientés. Que vraiment, il acquiert toute leur. Toute la satisfaction de leurs besoins dans ce conseil, au niveau de ce conseil. Tel que le papa a déjà dit, faisant de leur demeure l'habitation de Jésus-Christ, c'est déjà la vraie solution, la meilleure solution. Et qu'il soit avec eux jusqu'à ce moment-là. Et donc, chers époux, chers témoins, chers parents et amis, nous sommes à la fin de notre célébration. C'est devenu
désormais, Madame et Monsieur Joachim, un bon poète. C'est la force du mariage. J'espère que vous avez suivi avec attention les propos de vos témoins. Vous avez tout avec moi. À la prière, à Dieu, j'ajouterai, comme je l'ai dit, le dialogue. Toujours le dialogue. Et je pense que vous m'aimerez. C'est sur ces mots que je vous remets en parchemin. Ce que Dieu eut sur la terre. Personne ne peut briser. Béni soit le dernier Dieu puissant pour ce mariage, c'est marié. Une faveur de la part du Seigneur que la paix vous accompagne. Aimez vos pauvres. Vague vous agit, tournez vers Dieu, il est la solution à tous vos problèmes. Femme obéie à ton mari, et le mari chérit ta femme comme Christ nous aime, donnant sa vie pour sa chair. Le bonheur, une campagne éternelle. Elle apporte la joie des bénédictions et une couronne. Mariage de notre bien-aimé Fanuel avec Marie Magdala.
Et aujourd'hui, nous sommes à l'étape du mariage civil. Et nous bénissons le Seigneur que tout s'est très bien passé. Et vraiment, le mariage civil, ça s'est très bien passé. Le maire a prononcé un très bon discours. Et maintenant, il reste la consécration. Il reste que le Seigneur Jésus-Christ certifie. Il reste que le ciel certifie ce mariage pour que le couple devienne uni à Jésus-Christ. Jésus! Alléluia, 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 gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour vous qui nous suivez depuis vos maisons, sur vos écrans. Alléluia. Voilà, et comme l'évangéliste vient de le dire, nous avons déjà fini avec la deuxième étape qui est l'étape de mariage civil. Alléluia. Donc je vais interpeller quelques frères et sœurs qui vont s'exprimer, qui vont dire au moins les impressions, les appréciations de tous ce qui s'est passé ce matin. Alors, alléluia. Donc j'aurai à l'honneur notre soeur, la soeur Sarah. Bien aimée, soeur Sarah, dites-nous quelques appréciations. Comment ça s'est passé le mariage civil et quels sont vos sentiments, vos impressions de ce jour? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voici ce grand jour, le jour du mariage civil de notre soeur bien-aimée Marie. Je suis tellement émerveillée d'avoir pris part à ce programme et je bénis le Seigneur. Ça s'est très bien passé. Nous bénissons le Seigneur. Grand est ma joie de le voir unir en ce jour. Je bénis le Seigneur, que le Seigneur fasse de grandes choses dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus, Jésus. Continuez toujours avec notre interview et nous allons se diriger vers un certain de Dieu, homme de Dieu. Et dites-nous en quelques mots votre impression de ce mariage civil. Alléluia, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour ce moment inaugural, moment mémorable. Alléluia, aujourd'hui, en train de symboliser l'officialisation devant les autorités étatiques de notre pays et pour le mariage de nos bien-aimés, le frère Fanuel et la sœur Marie de Madala. Le mariage civil est très important. Peut-être beaucoup ont dit non, on n'est pas, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Non. Dieu aussi s'appuie sur les lois des gens. La Bible dit quoi? Que nous devons être soumis aux autorités, aux magistrats. Donc les lois du pays, les lois des pays, Dieu se sert aussi pour vraiment amener les hommes vraiment à marcher dans sa volonté. Donc aujourd'hui, le gouvernement reconnaît que les bien-aimés, Fabiel et Marie-Fabiel sont engagés pour vivre ensemble. Alors, ceci est aussi un appel à tous ceux-là qui, malheureusement, négligent le mariage civil, soit directement mariage religieux. Je pense que le mariage religieux est conditionné, le mariage civil est conditionné au mariage religieux. Pourquoi? Parce que Dieu est la dernière personne qui bénit, qui impose. Donc quand Dieu parle, plus personne. Donc il faut que déjà les autorités aussi mettent leur cachet, mettent leur appui pour pouvoir sceller ce lien. Donc vraiment c'est une joie pour nous de vivre cela. Et comme nous disons souvent, nous sommes dans la saison des mariages et très bientôt, nous allons encore revenir ici pour... Peut-être pour le serviteur. Amen. Et venez Daniel. Voilà, je dis alléluia. Et permettez-moi, homme de Dieu, j'aimerais vous demander, et pour tous ceux qui sont de nous suivre en ce moment, rappelez le grand jour. Alléluia. Ah oui, le grand jour. On ne peut pas venir si ça quand même annoncé. Le grand jour. Le grand jour, c'est le samedi prochain, le samedi 13 mai, à partir de 10h00, à l'église Jésus revient de Cotonou. L'église est située à Tekoumbe, juste après la pharmacie, et Tekoumbe, la pharmacie Credo même. Donc si vous quittez directement devant la pharmacie, vous prenez les nouveaux pavés, l'église est immédiatement à gauche. C'est une grande église déjà. Vous allez voir les signes de qu'il y a quelque chose qui se passe dans le quartier. Donc toi qui me suis, tu es invité vraiment à vivre cet événement, à vivre vraiment la joie de partager vraiment avec tout le corps de Christ. Donc vraiment que le nom du Seigneur soit dites-nous en quelques mots, c'est-à-dire vos sentiments, votre appréciation, et dites-nous aussi c'est-à-dire ce que vous sentiez là, vous êtes là. Alléluia. Voilà, vous êtes en direct comme ça. Amen. Shalom. Même avant de quitter la terre, il a dit que ce que lui n'a pas pu faire, nous le ferons de plus grand. Donc vraiment, moi je n'ai pas eu cette grâce.
parce que j'étais dans le monde quand je me mariais. Mais je suis heureuse parce qu'au moins, j'ai 50% de mes enfants qui ont eu cette grâce. Et je bénis le Seigneur. Et que ce mariage-là soit pour l'éternité, comme on a dit, c'est une bénédiction, soit pour l'éternité. Amen. Gloire à Jésus, nous bénissons le Seigneur. Et en tant que maman, et en tant que maman dans la foi, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes filles ou aux jeunes sœurs qui sont en train de nous suivre en ce moment? Vraiment de suivre ce que la parole a dit, d'attendre la fin, d'attendre les trois pas là, c'est-à-dire la dot, mariage civil, mariage social, avant de se lancer dans avec un déjà. C'est ça qui est le mieux, c'est maintenant que moi j'avais ce que j'avais fait. Quand les parents disaient, on croyait que c'était un mot pour rien ou une parole pour rien. Moi, j'ai touché la parole de Jésus et la vie d'être. Et je regrette ce que j'avais fait. Amen, amen. Comme ça pour me faire. Amen. Voilà, je dis, j'ai plus de regrets. Parce que Jésus est bien restauré. Alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur. Toi, sœur, toi, jeune sœur qui me suis en ce moment, voilà ce que maman te demande ce matin ou cet après-midi de faire. Alléluia. Tu dois garder, tu dois t'abstenir concrètement et tu dois garder ta vérité, surtout pour nos sœurs qui sont encore vierges. Alléluia. Tu dois garder ta vérité jusqu'au mariage. Gloire à Jésus, je bénis le Seigneur pour votre vie. Nous comptons toujours, nous allons recevoir une dernière personne. Némi Kabou, nous allons prendre ça. Nous avons dit qu'on vous mette au bout. Parce que nous imitons les Wengio. Nous imitons les pistes, nous sommes au bout de l'isonina. En ce moment, on a des coups d'avis. Parce que nous parlons de Philippe, Bini, Philippe, pourquoi ça? On n'a pas de temps, on tombe de plomb. Nous vivons là, nous sommes 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 là, nous Donc, on a un isé qui vaut ton dos, qui vaut nous les pinino yido. Ni nommé ton mère, cacasso et maman. Amen. Donc, nous m'en merci. Alléluia, voilà, nous sommes déjà à la fin de notre interview de ce matin. Donc, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit. Alléluia. Et que la gloire, l'honneur lui soit rendu d'éternité en éternité. Alléluia. Amen, 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 amen. Sois l'éternel Dieu puissant pour ce mariage s'est marié. Une faveur de la part du Seigneur que la paix vous accompagne. Aimez-vous pour les meilleurs et les pires. Aimez-vous quand vague vous agite, tournez vers Dieu, il est la solution à tous vos problèmes. Femme obéie à ton mari, et le mari chérit ta femme comme Christ nous aime, donnant sa vie pour sa chair. Le bonheur, une campagne éternelle, elle apporte la joie. Alléluia, shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth.
comme vous avez constaté, comme le Seigneur Jésus-Christ a décrété au ciel que le réveil dans une saison des bonnes nouvelles, la saison des bonnes choses, la saison des mariages dans le réveil, eh bien le Seigneur Jésus-Christ poursuit ce projet et il est en train de combler ses enfants de cette grâce. Et donc aujourd'hui c'est le tour de notre bien-aimé Fabien avec Marie Magdala, la chante Marie Magdala, et nous venons de finir le mariage civil et tout s'est très bien passé. Et donc nous passerons le samedi prochain à la consécration, de la consécration qui officialise spirituellement le mariage devant Dieu. Et nous bénissons vraiment le Seigneur que tout se passe très bien depuis le début jusqu'à présent et ça va se pousser jusqu'à la fin. C'est la preuve que lorsqu'on confie quelque chose à Jésus-Christ, la Bible dit celui qui veut bâtir une maison et confie à l'éternel, cette maison est toujours soutenue. Et donc voilà, quand Jésus est devant un projet, c'est comme ça, tout se passe très bien. C'est le lieu encore de prier tous ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont en train de prier intimement pour que le Seigneur Jésus leur fasse la même grâce du mariage. Je proclame que le Seigneur Jésus-Christ va vous donner votre couple, le Seigneur Jésus va vous donner votre femme, le Seigneur Jésus va vous donner votre mari et la joie, vous aurez la même joie. Alléluia. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans le groupe Jésus revient. Alléluia. Quelles que soient les humeurs de l'ennemi, le réveil se porte très bien. Le réveil, tout se passe très bien dans le réveil. Et nous glorifions vraiment le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. C'était votre ennemi, l'évangéliste Jean Crassé. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce jour est un grand jour pour nous. Le jour où le Seigneur Jésus a voulu nous honorer devant le monde. Et nous bénissons vraiment son Seigneur pour ce jour. Jusque-là, tout s'est bien passé. Nous savons que le Seigneur Jésus nous étonnera encore pour le reste des choses à venir. De la procédure, voilà. Tellement ma joie est grande que je ne sais même pas comment l'exprimer. Et je bénis le Seigneur Jésus pour tous ceux qui nous suivent, pour les frères et sœurs qui sont aussi en attente. Je prie que le Seigneur Jésus les localise également par sa grâce, qu'ils reçoivent la même grâce au nom de Jésus. Soyez bénis, on vous aime. Cette grâce qu'il nous accorde aujourd'hui, moi et mon épouse devant l'autorité civile. Nous vous bénissons et nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. Que le Seigneur soit avec vous encore pour la suite. Alléluia, à samedi prochain. Shalom, shalom. Christ nous aime, donnons sa vie pour sa chérie.